Bonjour les amis et bienvenue dans votre émission préférée Vidéo Buzz. Cette semaine a été tout de même mouvementée. Sans plus tarder, on passe au béret. Le lundi 24 juillet, avec impatience qu'on attendait les résultats du bac 2023. 32,9, c'est un pourcentage le taux de réussite de section de bac 2023, ce qui équivaut à 109 166 candidats déclarés admis sur 340 213 candidats présents dans les salles de composition, soit une légère hausse de 1,31% comparée à la session 2022. Félicitations au niveau diplômé et un gros mot d'encouragement aux autres n'ayant pas obtenu cette année. Eh bien, après Dougoutigui, Apuchu National, De Versailles, DJ Congélateur et j'en passe, les Ivoiriens ont encore fait une nouvelle star. En effet, une vidéo d'une jeune fille en train d'esquisser des pas de danse d'une manière un peu particulière, nommée Aïcha, datant de début 2023, est maintenant devenue virale depuis la semaine passée. Les Ivoiriens ont chargé l'affaire faisant d'Aïcha, alias Aïcha Tremblay, une star dans son pays, le Burkina Faso, à tel point qu'elle est invitée dans des chic coins, reçoit des produits et des prestations de beauté gratuitement et est même devenue l'égérie d'une marque de beurre. Un véritable boom dans la vie de la jeune fille qui ne connaît pas vraiment les choses de la starmania. Les chaînes de télé ivoiriennes préviennent même que la petite serait très bientôt sur nos terres. Et boum, on reste connecté, la suite c'est pour très bientôt. Afin d'Aïcha Tremblay, là. Elle était au fin fond de son village, je suppose, mais qu'elle n'avait même pas internet. Et le DJ a décidé de faire son show, c'est-à-dire que ce n'était pas prémédité, ce n'était pas calculé. Lui, il a fait une ambiance fun, il a balancé sur les réseaux sociaux, et voilà que ça a pris. Maintenant, moi, ma question, vous ne vous dites pas que pourquoi il y avait le DJ, il y avait d'autres danseurs, et c'est elle, Aïcha, là, qui attire l'attention des gens. Vous ne voyez pas un peu que Dieu, il utilise qui il veut, il choisit qui il veut, comme il veut et quand il veut pour faire briller, pour mettre la personne à la lumière. Elle-même, elle est perdue dans tout ce qui se passe. Elle n'est pas concernée par ça. Mais on la met à la lumière. Donc, quand vous regardez un peu, moi, en tout cas, je dis que c'est la grâce de Dieu. Mais j'ai dit ce pays là-haut. Donc, Aïcha va monter d'avion. Tremblay. Tremblay, qu'est-ce que Dieu a en affaire? Tremblez que le groupe Chama. Vibrez pour Dieu, vibrez pour Dieu, vibrez ainsi, vibrez. Voilà les doigts qui sont là. Les doigts. C'est pas même chose. Deux personnes, vous êtes même chose. Toi-même, Priscille la dégameuse. Je prends un exemple sur toi-même. Tu es comédienne. Il y a combien de comédiennes en Côte d'Ivoire qui sont là avant toi? Oui, oui. Ton niveau aujourd'hui et leur niveau, est-ce qu'on peut les comparer? Parce que tu les as dépassés. Chacun de nous avons nos chances. C'est la chance de Aïcha qui a sonné. Aujourd'hui, les télés n'arrivent pas même à parler. Donc, laissez-la profiter de cette chance-là. La médiocrité, ce n'est pas une histoire de médiocrité. On aime s'amuser. De toute façon, vous êtes debout derrière la fille, là. Aïcha Tremblay, Aïcha Tremblay. Vous la prenez pour vous promener partout, là. C'est comme ça, ne finissez pas de vendre son image partout. Et puis, à la fin, elle va avoir faim. Faut pas que vous allez prendre l'image de la fille là pour vous promener partout. Les Burkinabés là, faut pas qu'ils vont vous blaguer. Allez prendre la fille là, venir vendre son image dans leur télé. Prendre la fille là, se promener partout pour montrer aux yeux du monde entier. Et puis à la fin, c'est comme ça. Ben, je laisse ça trop durer, c'est une semaine. C'est maintenant, il faut en profiter. Faut pas qu'ils vont la prendre pour se promener partout. Et puis après, elle va avoir faim comme ceux qui sont ici là. Hein. Je vois pas ce que Aïcha Tremblay a fait. Bon, si c'était le Burkinabé qui avait chargé cette histoire de Aïcha Tremblay. Mais nous les Ivoiriens, là, Tremblay, là, ça vient chercher quoi dans notre affaire? Non, mais Ivoiriens, mais franchement, on n'a plus rien à prouver. On n'a plus rien à faire. Sérieux. Non, parlons peu, mais parlons vrai. Tremblement, on va la recevoir sur des plateaux, on va lui donner des cadeaux. Alors qu'il y a des vrais sujets dans ce pays-là. Mais attends, elle dansait au son d'une musique, mais c'est son ou qui fait le buzz.
Voici une petite fille burkinabé qui était couchée dans son coin. On dit cérémonie dans la poussière. Elle vient trembler. Aïcha, tremble. Aujourd'hui, là, la petite Aïcha va venir à Abidjan. La petite Aïcha sera reçue par les ministres de la République. Quand Dieu dit ton heure a sonné, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il te prend de la poussière et te fait asseoir à la table des grands. C'est l'histoire de la petite Aïcha. Regardez le DJ. Il passe tout son temps à aller dans les campements pour aller donner la joie. Et tiens, mon DJ, aujourd'hui, son étoile a pété. Tu vois, il y a des gens qui vont s'asseoir pour faire la sorcellerie. Oh non, on fait la promotion de la médiocrité. On a des ingénieurs qui ont des talents. Chers amis, à chacun son temps. À chacun sa gloire, à chacun sa saison. Nous sommes dans une Afrique où il y a tant de divisions. Allez au Burkina Faso. Les théories, ces voyous, ces mesquins, ces petits maudits sont en train de fatiguer les populations. Au moins, les Burkinabés pourront avoir au moins un sujet de joie. Ça, là encore, on n'est pas content. Les gens sont sorciers quand même. Hein. C'était Vidéo Buzz. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier examiné.